Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente, une vidéo que j'avais envie voilà, de faire, pourquoi pas, entre deux tutoriels. Il s'agit d'une vidéo sur un mini-jeu de construction, parce que voilà, dans la construction il y a aussi les mini-jeux, et donc pourquoi pas en faire un avec vous, voilà. On est sur le serveur du Fantabob World. Et il y a un mini-jeu de construction voilà, que j'avais envie d'essayer. Voilà, donc, parce que en fait, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce genre de construction-là. C'est-à-dire que on a 5 minutes pour sur un thème précis pour construire quelque chose de fabuleux et merveilleux. Sauf que 5 minutes sur un thème qu'on ne connaît pas à l'avance, c'est très compliqué. Voilà, donc là on est plein de monde sur le lobby en train d'attendre qu'il y ait un nombre suffisant de joueurs pour pouvoir commencer à filmer. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, donc j'ai appuyé. Alors c'est quoi le thème? C'est quoi le thème? Un navire! T'es sérieux? Oh! Mais sans déconner! Je vais défoncer le game moi putain! Ah c'est bon ça! Alors, la flotte, la flotte! Voilà, water, machin, machin, pouf! Ce n'est pas un bloc valide, gna 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 gna, c'est pas un bloc valide, mon cul, oui. Comment je fais pour foutre de la flotte? Flotte, water. Gna 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 gna. Comment je fais? Bon, je sais pas, comment je fais, donc je vais mettre du machin comme ça. D'autant que ça va me permettre de pas... Ah, voilà. Donc, alors, un bateau, ah, un bateau, un bateau. Oh, les autres, ils vont bouffer. Hein. Donc là, attends, là, j'ai pas beaucoup de place, donc je vais faire un yacht, peut-être un yacht, un navire, un voile. Un navire à voile, j'ai pas le temps, mais je vais faire quand même. Bon, parce que c'est ce que je connais le mieux, ouf, et que, voilà. Bon, je vais pas essayer de m'expliquer plus que ça. Pouf, 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 pouf. Pouf, 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 pouf. Pouf, 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 pouf. Un navire, sans déconner, je savais pas qu'il y avait ce genre de truc, là, moi. Ah putain, et d'autant que j'ai recommencé la vidéo parce que la première elle était trop longue, mais là en plus, mais là c'est trop bien. Ah, je vais faire une carcasse de navire et échouer parce que sinon j'aurais pas le temps. Attends, bordel de merde, comment je fais déjà l'arrière du bateau? Je ne me rappelle plus. Si, ok, ça y est. Putain, ça fait trop de temps que j'ai plus fait de bateau. Oh putain, ça je suis content là. Ah, j'ai recommencé la vidéo, je suis content. Le thème sur le navire, quoi, sans déconner, je pouvais pas mieux tomber. Ma grande spécialité de construction. Donc là, il n'est pas du tout bien proportionné, mais je m'en fous, je trace parce que j'ai plus que 3 minutes pour faire le reste. Sa mère. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de faire la coque, évidemment, hein. Ça aurait été trop beau, donc je vais faire un bateau en construction parce que sinon ça va le faire. Donc, je vais faire les espèces de couples, hop, comme ça. Ta gueule, 3 minutes. Pouf. Pouf. Pouf, bon bah c'est de la merde, mais pouf. Voilà. Ceux qui sont shipbuilders parmi vous doivent bien se foutre de ma gueule vu la qualité du truc que je suis en train de faire. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire avec, hein, quand même. Je ne peux pas être mauvais à ce jeu, ce n'est pas possible, ce n'est pas tolérable. Donc, je vais utiliser du bois comme ça, non c'est pas bon, je vais utiliser du bois comme ça pour faire les mâts. Les mâts, vu la taille du bateau, on ne peut pas vraiment en mettre plus de deux, mais je vais essayer quand même. Plutôt ici. Donc, jusque plus haut que ça, mais je reviendrai tout à l'heure. Donc ici, normalement, on va faire à peu près par... Bon, bref. Je suis concentré en deux mots, n'est-ce pas? Ou en un, je sais plus comment ça s'écrit. Hop, pouf, pouf, pouf. Le mât de Beaupré, vite. Hop. Le navire en putain, 2 minutes. La brigantine, hop. Ouais, non, je vais pas le faire comme ça. Pouf, 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 pouf. Ok. Pour l'instant, c'est très moche. Et tout à fait... Je peux pas aller plus haut que ça. Sans déconner, comment tu veux que je fasse un navire avec une taille comme ça? Mais c'est nul à chier. Bon. Et sans déconner, les mecs qui ont trouvé... Le thème là. Alors c'est très bien de mettre des navires, mais sans déconner, il faut nous laisser la place de les faire, hein, sans déconner, parce que... N'est-ce pas? Là, il n'y a pas assez de place pour faire la voile. Putain! Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Pouf! 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, la snow. Hop, la laine. Pourquoi il faut jamais faire les voiles en autre chose que la neige? Parce que la neige, elle permet de faire du relief dans les voiles. Une minute. Putain. Hop. Bon, j'aurais pas le temps de faire quelque chose de correct, donc au pire, je bourrine quelque chose de tout à fait nul. Mais bon. Hop. Voilà, donc je vais essayer de faire un truc à peu près comme ça. Hein. Bon, on va pas me casser les couilles. Hop. 32 secondes pour finir le bateau, tout à fait. Moi, il me faut un mois pour en faire un quand je suis motivé. Donc, bon, allez, on va dire c'est jouable, hein, n'est-ce pas? Pouf, ok, donc les cordages, les cordatages, les cocos, les cordages, bon voilà, je sais plus ce que je dis, j'ai pas le droit de me ridiculiser sur cette épreuve, n'est-ce pas, hein, oui, tout à fait, 10 secondes, easy, à l'aise, n'est-ce pas, non, allez, qu'est-ce que je peux faire, je peux, bon allez, au revoir. Oh, bah là, c'est légendaire, hein, n'est-ce pas? Alors, il a coulé, d'accord. Bah, c'est trop facile, ça, monsieur. C'est trop facile, moi, je dis. C'est trop facile. Donc, on peut, dans ce jeu-là, donner des notes, du coup. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des blocs de couleurs pour pouvoir donner des notes aux gens. En fait, c'est les joueurs qui notent les autres. Voilà, donc il appelle ça un navire, moi j'appelle ça un tank ou un tostos. Bon, ok, dans l'idée, pourquoi pas. C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas vraiment les bateaux et qui ont envie d'en faire un, bon, voilà quoi. Là, c'est qui? Oh, c'est que, sans déconner, t'as des voiles coupées en deux au niveau du mât? Erreur de débutant, ça, monsieur. Sérieusement. Moi, je sais même pas en quelle position je suis, du coup. Parce que c'est vrai que ceux qui passent en premier, j'ai l'impression, ont plus de chances d'arriver numéro 1. Donc celui-là, ok, il a fait un espèce de bateau. Ok. Moi, je dis ok. Bah, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Parce que, punaise, si on m'avait donné juste un petit quart d'heure, t'sais, à la place de 5 minutes, on aurait eu un quart d'heure. Mais comment je t'aurais retourné le game, mon gars? T'aurais rien compris. Bon, j'aurais pas eu le temps de faire un soleil royal non plus, mais... Ouais, c'est bof, hein, quand même. Ah bon. Faut qu'on arrive à mon mien. J'espère que c'est celui d'après. Je sais même plus comment on fait pour savoir où est-ce que... machin. C'est le mien, celui-là. Donc, il est pas du tout bien proportionné, rien du tout, hein. Il est nul, mais bon... Dans un truc entre nul, voilà, dans une build battle entre mauvais, qu'est-ce que tu veux? Non mais là, c'est, faut pas déconner. Surtout que le mec, le pauvre, il passe derrière moi avec son espèce de radeau. Désolé mec, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il était en construction, buse le mien, non, il est pas bon. Voilà, donc les autres sont d'accord avec moi, visiblement. Hein. Parce que quand votre map se fait exploser, comme ça, ça veut dire que tout le monde a voté pas bien. Mais genre, pas bien du tout. Là, c'est un zeppelin, visiblement, bateau volant, du coup. Qui est pas fini, bon. Mais il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, je dis ok. On n'a pas 3 heures, je m'en suis bien rendu compte. Sérieusement? Et je suis même pas dans les 3 premiers. Hey, qu'est-ce qui glande les mecs? Sans déconner les mecs. Waouh, mais les mecs. Et comment on fait pour savoir son classement? Ah, mais je suis dégoûté. Oh non, mais c'est pas cool, sans déconner. Bon, bah visiblement, ils ne m'ont pas... Ils ne m'ont pas donné, enfin ils m'ont pas voté pour moi, c'est, voilà, bon bah tant pis. Des froids fake, ouais, pas comme d'habitude.
sur les serveurs mini-jeux, c'est souvent comme ça. Bon, bah sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que la prochaine fois, ce genre de vidéos, on les fera en live, donc avec vous, pour pouvoir les faire en team. Ça, ça peut être beaucoup plus intéressant, parce que je crois en plus qu'on a plus de temps lorsqu'on est en team, dans les mini-jeux de construction. Donc c'est encore plus intéressant, surtout si on touche des navires. Mais alors là, plus de temps avec des navires, moi je te retourne le game. Mais y a pas de souci. Sauf si je me retrouve contre un autre ship builder, évidemment. Là, c'est plus le même idée. Bref. Ah, beaucoup d'émotions dans cette vidéo, du coup. J'espère que ça vous aura plu. Bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine.